Ça n'a pas été de tout repos. Mais c'était rigolo comme jeu. There's nothing stopping me and making my way. I'm gonna rise above, that's how I was made. Take me up to the top of a mountain high. Embarque à Sky. 4 heures tout pile d'escale, le minimum obligatoire. Et on est bien content. On a encore été aidé de gens adorables. On a vraiment de la chance d'être suivi comme ça. Maintenant, on tourne à la bataille. It's a new dawn, it's a new day. Some things are different but nothing is changed. Still got my number, still got my name. Tell everybody I'm back in the game. Oh. Et le 2 mois du dimanche soir, et trajectoire tendue, ça nous détend. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, super journée, mine de rien. On a eu de l'air toujours, alors qu'on est censé avoir 4 nœuds depuis ce matin. On a eu plus d'une moyenne, donc ça nous permet de bien avancer. Ça fait 15 jours qu'on est sur l'eau. Et il reste encore une semaine. Donc c'est dimanche soir, la thématique c'est poulet frites, et puis après on va aller regarder la série du dimanche. Ouais, un petit polar pour ce soir. Une série en plusieurs épisodes, c'est combat contre les sargasses, alors c'est un peu répétitif. Ouais, mais ça nous occupe. Oh, 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 let me show you how I do it. All day, all night, I do it big, living the life. Let's go, let's fly. Le jour de la marmotte avec les sargasses. Là, c'est un peu dur parce que depuis le Cap Air quasiment, là, on navigue dans une force de vent qui correspond à celle où nos adversaires sont très rapides et où nous, on est un peu moins à l'aise. Donc on se bat sur les réglages, mais c'est pas facile. Et malheureusement, les prévisions laissent entendre que ça risque de durer un peu. J'essaie de faire de mon mieux. Et je m'ennuie quand tout devient sérieux. En partant, je leur dis droit dans les yeux. J'aurais dû faire un peu mieux. J'essaie. On est toujours dans le nord de nos camarades. Continuez à y rester. C'est pas forcément favorable sur le papier, mais on aura essayé. Arrivé sur la Martinique, ça commence à sentir la terre. On n'est pas très rapide, on est sous médium, on a éclaté le grand spi cette nuit. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, on arrive aujourd'hui. Bravo alors.
Attends, c'est bon, j'ai sauvé le téléphone. Très content d'être arrivé. Bien. Ouais. Content du chemin parcouru, mais une bonne frustration parce que ça n'a pas marché comme on voulait. Il y a des bonnes choses quand même. Ce qui est sûr, c'est que les conditions de vent qu'on a rencontrées entre le Cap-Vert et la Martinique, c'est typiquement les conditions qu'on avait identifiées comme étant le point dur de fonctionnement du bateau, qui est vraiment pas habituel. C'est vraiment du vent faible par rapport à ce qu'on a statistiquement sur ce genre de parcours. Et à l'instant où on part du constat qu'on va un peu moins vite que les autres parce que justement on est sur ce point dur, bah, il faut choisir des trajectoires différentes pour espérer faire mieux qu'eux, quoi. Donc, voilà, sachant que comme il y a d'excellents marins devant nous, choisir des trajectoires différentes, on savait qu'il y avait des risques, que ça marche pas. Et effectivement, ouais, ça peut tout le temps marcher. Mais bon, au moins on aura essayé, on sera pas contenté d'aller moins vite que... Ah bah, c'est sûr que le projet il s'arrête pas là, ça a un côté frustrant pour l'association Project Rescue Océan, pour nos partenaires, pour les gens qui nous suivent, de pas avoir pu montrer dès cette transat que... qu'on avait de plus grandes ambitions que ça. Après, on va pouvoir retourner bosser le plus tôt possible dès janvier là. Et puis voilà, hein, on se donne rendez-vous dans un an.